Bonsoir. Un tireur fou a ouvert le feu sur des passants en face de l'école polytechnique rue Édouard-Montpetit à Montréal. On ne sait pas encore avec certitude s'il y a des morts. Chose certaine, il y a plusieurs blessés. Alors, Roger, qu'est-ce qu'on sait? Est-ce qu'il y a des morts? Combien de blessés? Qu'est-ce qu'on sait? Il y a des morts, il y a plusieurs blessés. C'est un événement d'une extraordinaire gravité. C'est survenu à 17h25. Un homme, semble-t-il, armé d'on ne sait quoi, a fait feu sur plusieurs passants à l'intérieur de l'école de polytechnique. Dans un geste de désespoir, ça a été confirmé un peu avant 18h. L'individu se serait suicidé. Mais avant de poser cet acte, il aurait abattu quelques personnes. Le nombre n'est pas confirmé. Ce que l'on sait, c'est qu'il y a énormément de blessés. Il y a au moins 6 personnes qui ont été grièvement atteintes au deuxième étage. 14 vies éteintes par feu, 14 âmes disparues, 14 vies en aperçues, 14 femmes j'ai pas connues, 14 étudiantes innocentes, 14 vies de 14 mamans, 14 sœurs pour elles je pleure, 14 étrangères dans mon cœur. Le 6 décembre, j'oublie jamais une journée marquée par le fait que la haine d'un homme malade m'inspire des cris, ce triste balade. Parce qu'il n'est pas le seul qui croit que les femmes n'ont pas le droit d'achever les revers souhaits. Tout le monde, il les connaît. 14 étudiantes innocentes, 14 filles de 14 mamans, 14 sœurs pour elles je pleure, 14 étrangères dans mon cœur, 14 vies éteintes par feu, 14 âmes disparues, 14 vies en aperçues, 14 femmes j'ai pas connues. Nous marchons vers l'avenir, mais il y a ceux qui veulent retenir un système de contre-patriarcat, et ils sont prêts à tuer pour ça. Au coup de poing ou de fusil, avec leurs esprits inutiles, néanmoins on continue à marcher bras en bras entre nous. Je me souviens pour toujours, non seulement sur le jour. Je me souviens de ces faits. Je me souviens, ne sois pas con.